désigne le docteur Alassane Ouattara, économiste, candidat du Rassemblement des Républicains RDR. C'est officiel. Alassane Ouattara est candidat à sa propre succession. Les membres du Rassemblement des Républicains, le RDR, sont partis, ont à l'issue de leur troisième congrès extraordinaire désigné dimanche le président ivoirien comme leur candidat à la présidentielle d'octobre 2015. Alassane Ouattara absent, c'est Henriette Dagry Diabaté, une pionnière de ce parti, et Amadou Soumaoro, le secrétaire général, qui ont situé les enjeux de ce congrès et remobilisé les troupes. Gardons le cap et en avant. En avant pour un RDR debout. Se rassembler autour d'Ado exige de nous l'union. Tous se rassembler autour d'Ado exige de nous la solidarité, la fraternité, la tolérance, gage d'une société apaisée, démocratique, juste et ouverte. Une chose est certaine, le pari de la mobilisation a été gagné par le RDR. 6 000 militants attendus, ce sont environ 60 000 militants qui sont venus de toute la Côte d'Ivoire. Un moment de communion où émotion et fierté s'entremêlaient. Le banc est à faire chaque ville. Je suis fier, moi-même je suis à la Dja. Je suis à la Dja. Ma grand-mère à la Dja. Je suis fier. Je suis content pour lui. Je lui souhaite bonne chance. Il y a d'autres qui sont satisfaits, mais tout le monde ne peut pas être satisfait à la fois. Mais j'espère toujours que il va tenir à sa parole et je le soutiens toujours. Merci d'être invité, là. Les partis du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, le RHDP, ont réitéré leur soutien à la candidature unique d'Alassane Ouattara. L'appel de Daouko dit clairement le PDCI-RDA soutient la candidature du président Alassane Ouattara. Votre chef de parti hier, mais chef de l'État aujourd'hui, est en train de nous apporter. Eh bien, cette émergence profitera à chacun de nous, à chaque ménage, à chaque village. Alassane Ouattara portera l'étendard du RHDP à la prochaine présidentielle, dont les contours sont jugés flous par certains observateurs. Et pour cause, la commission électorale indépendante, la CEI, est dominée par les membres de la majorité présidentielle.